Alléluia. Amen. Père, je voudrais m'incliner encore une fois devant ta présence. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de ce que c'est ta parole, Père. Tu as dit. Ô Père éternel, que la gloire et l'honneur te revienne. Merci pour ce temps. Longtemps j'ai fui ta face, mais ta parole ne change pas. Ta parole m'a rattrapé. Et voici que, Père, la mission que tu m'avais confiée depuis le sein de ma maman, Père, vient de s'accomplir dans ma vie. Béni soit ton Saint Père. Avec révérence, Père, je voudrais recevoir la présence de ton Esprit Saint, c'est Dieu. Béni sois-tu encore, Papa. Oui, Père. Que je sois comme David, l'homme selon ton cœur. Que toutes tes vêtues, Père, soient attachées à ma vie. Soient attachées à ma personne. Et que je marche, Père, selon ta volonté. Selon ta parole. Béni sois-tu encore, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur pour votre présence. Et que la parole qui a été dite, que celui qui donnera un verre d'eau à son serviteur sera récompensé. Père, bénis tes enfants qui sont présents ce matin et que la promesse, que cette promesse que tu as faite dans ta parole s'attache à leur vie. Qu'ils reçoivent la récompense selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Ici, bien-aimés, je voudrais d'abord dans un premier temps bénis le Seigneur pour son serviteur qui a accepté pour l'amour de Christ venir de Saint-Étienne jusqu'à Parme. Je bénis encore le nom du Seigneur pour son déplacement, pour son église aussi. Bien-aimé, faites un effort pour visiter cette église. Amen. Amen. Vous verrez que, bien-aimé, si le pasteur insiste sur l'amour de Dieu, c'est très important. Et c'est ce qui m'a émerveillé dans cette église. Tous les frères et sœurs, tu ne peux pas trouver des différences. Amen. Et bien-aimé, je profite aussi de l'occasion vous dire, ici à Parma, bien que les visions soient diverses, mais nous luttons pour un seul but et un même but. Amener les âmes à Christ. Amen. Donc bien-aimé, malgré cette diversité, ne nous marchons pas déçus. Exhortons-nous les uns les autres. Amen. Et marchons selon la parole de Dieu. Amen. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Donc, bien-aimés, je vous remercie de votre présence, particulièrement, excusez-moi, ma maman Geneviève et ma maman aussi Agnès, je ne sais pas si elle est déjà partie, ok, que Dieu vous bénisse. Et vous aussi qui avez effectué le déplacement, que Dieu vous bénisse. Et donc, je dis merci aussi aux pasteurs qui se sont déplacés, que Dieu vous remplisse davantage et qu'il fait croître
vous allez planter. Il a dit dans sa parole que l'homme plante et il y a quelqu'un qui arrose, mais c'est lui qui fait quoi? Soyons courageux et ouvrez-moi aussi vos portes afin que j'apprenne aussi auprès de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Merci. Sur votre agenda. Mais je suis persuadé que Dieu, dans son agenda, veut faire quelque chose dans chacune de vos cœurs. Alors que nous allons fermer les yeux, que nous allons prier, dites dans votre cœur cette prière, Seigneur, avant que je ne parte d'ici, que ton esprit fasse dans ma vie ce que tu as prévu pour ce moment précis. Et vous allez voir bien. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Gloire à toi. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses, celui qui appelle de l'invisible au visible. Merci pour ce temps extraordinaire. Merci pour ce jour extraordinaire. Merci parce que tu as créé ce jour bien spécifique, bien spécial pour la vie de Jean de Dieu. Mais tu n'as pas vu seulement Jean de Dieu dans cette salle, papa. Tu as vu et tu vois chaque personne ici présentement. Et tu as un plan pour la vie de chacun de tes enfants. Alors que nous sommes inclinés maintenant dans la prière et qu'ils sont en train de te dire: Père éternel, voici ma vie. Qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Qu'est-ce que tu as prévu pour cette réunion? Moi, je ne veux pas partir de cette salle sans que le Saint-Esprit m'ait touché, sans que ta main m'ait touché, sans que ta gloire m'ait touché. Seigneur, agis dans les cœurs maintenant. Agis dans les vies maintenant. Dans le nom de Jésus, là où il y a besoin de guérison, Seigneur, envoie la guérison. Là où il y a besoin, papa, de délivrance, envoie ta délivrance. Là où il y a besoin de salut, envoie ton salut. Là où il y a un souci que l'homme ne peut plus rien faire, interviens maintenant dans le nom de Jésus. Père, je place chaque âme devant toi et je te dis merci. Merci pour cette église. Renouvelle l'onction de tes serviteurs. Renouvelle l'onction de tes serviteurs. Renouvelle l'onction de tes serviteurs. Ce sont des instruments que tu as placés dans cette ville. Papa, renouvelle l'onction de tes serviteurs. Tu sais les défis qui sont face à chacun de tes serviteurs ici présents. Mais Seigneur, qui est-ce qui peut te faire tomber? Quel défi tu ne peux relever? Alors viens secourir mes frères, ces sœurs dans le ministère. Viens les soutenir, viens les fortifier, viens les encourager dans le nom de Jésus. Et que le plan de Dieu pour chacune des églises, pour chacun de tes enfants ici présents, soit accompli. Merci Seigneur pour le ministère du pasteur Zébi, responsable de cette assemblée. Que cette assemblée brille dans cette ville, mon Dieu, comme une lumière, comme un phare dans la ville, dans le nom de Jésus, et que le vrai de l'avant pour ta gloire. Bénis son épouse, bénis chaque membre, et accorde la grâce qui vient du ciel. Bénis chaque invité venu spécialement pour cette occasion. Nous te louons, nous t'adorons pour ce jour merveilleux que tu nous as donné de participer à ton œuvre par la vie de Jean de Dieu. Nous sommes des témoins de ce jour et nous ne voulons pas l'oublier dans nos prières, jour après jour.
afin que l'œuvre aille de l'avant et qu'il soit heureux dans le service que tu vas lui confier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci mon papa. Merci mon Dieu. Nous bénissons cette église en Christ Jésus. Amen. Je proclamerai son nom à tout jour.